Alors, EXO 7, dernière partie du devlog. Le projet est terminé, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble maintenant que tout est au point. Je vais lancer une instance du jeu. Alors, comme je le fais pour mes derniers projets, j'essaye de tout finaliser, hein. Je fais un menu avec un développement où on peut voir un petit peu comment on contrôle l'arrière dans le jeu. Donc, j'ai rajouté au contrôle clavier qui était utilisé jusque-là des contrôle aussi pad manette de jeu. Ça permet du coup d'utiliser l'un comme l'autre au choix de l'utilisateur. J'ai aussi mis une petite notice qui explique un petit peu les principales caractéristiques du jeu. On va évidemment immédiatement rentrer dans le jeu. Alors je vais essayer de faire un peu attention parce que comme je l'ai expliqué la fois dernière, le jeu est relativement difficile donc c'est dur de rester concentré à la fois dans le jeu et aussi d'expliquer ce qui se passe. Alors j'ai rajouté quelques effets sonores, je pense que vous l'entendez. Et j'ai essayé de paramétrer une difficulté qui est, on va dire, peut-être un petit peu moins complexe que celle que j'avais initialement prévue. J'ai notamment modifié les valeurs limites de vitesse qui notamment me permettent ici de survoler l'île sans trop de dommages. Mais vous le voyez, plus on est haut, et plus on va avoir du mal à viser les objectifs. Faut savoir simplement que le moindre contact avec un dispositif ennemi, que ce soit ne serait-ce qu'un simple arbre, et le jeu est terminé. Donc là, je vais quand même essayer de passer complètement la première île, quitte à ne pas forcément toucher trop de choses. Je vais quand même essayer de faire quelques points du coup. Alors, bah voilà, c'est terminé. Vous voyez, donc c'est relativement efficace. Je vais refaire une partie. Alors, j'ai pas beaucoup changé la charte graphique, vous le voyez. J'ai pas modifié grand-chose par rapport à ce qui était présenté déjà dans la version précédente du jeu. J'ai simplement prévu, dans cette situation, de, vous le voyez, mettre un petit écran de fin de jeu qui simplement enregistre le meilleur score. On va essayer simplement de quand même avancer un petit peu dans le jeu. Donc les effets sonores sont ce qu'ils sont, hein. J'ai notamment essayé d'intégrer un système qui permet de jouer sur la fréquence du son de l'avion en fonction de sa vitesse. Voilà, si vous l'entendez. J'ai aussi conservé le système qui consiste à pouvoir parer en fait les tirs ennemis avec mes propres bombes, hein. Donc tout choc entre bombes, roquettes ou système ennemi aboutit à une neutralisation, c'est-à-dire que ma bombe détruit en fait les projectiles ennemis. Et lorsque l'île est traversée, eh bien automatiquement on arrive. On va essayer de le faire quand même, hein. On va essayer de passer sans encombre. Pour ça, il faut voler assez haut. Si vous volez assez haut, de façon générale, on est assez tranquille. Mais en même temps, ça devient compliqué de viser les objectifs, en particulier les tourelles ou les châteaux. Et une fois que l'île a été intégralement traversée, on la quitte et on se déplace en direction d'un porte-avions où on va pouvoir d'une part faire le plein en parachutiste. Enfin, c'est pas des parachutistes en fait, hein. Ce sont juste des éléments qui sont lancés sur le terrain en direction des bunkers. Voilà, donc on peut se poser sur le porte-avions. On refait le plein en carburant et aussi en parachute. Et on part vers l'île suivante. Alors comme les îles sont générées aléatoirement, elles sont toujours forcément différentes les unes des autres. Voilà, donc vous voyez que par rapport à la mouture précédente, le jeu est quand même un petit peu moins difficile. On peut sans trop de difficultés faire, si on est un petit peu concentré, faire au moins une île sans trop de difficultés.